Voilà. Bonjour. C'est la reine d'hiver. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Des pas pour le mariage. Donc le mariage de Moumi passe. Appréciez ma tenue, hein. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà, donc je voulais m'excuser pour la soirée d'hier. Si je ne suis pas là la soirée d'hier, c'est tout simplement parce que comme j'avais un mariage aujourd'hui et ensuite je dois être à Liège. Donc, je ne peux pas me diviser, je ne peux pas me multiplier. Voilà quoi, c'est pour ça que je ne suis pas là à la soirée d'hier soir pour le cancer. Mais j'ai vu que ça s'est très bien passé. Donc là, je suis en train d'aller au mariage de Moumi Pass. J'ai ma valise avec moi. Après, je continue directement à Liège parce qu'aujourd'hui, je suis à Liège chez Lionel Tapa, à Liège. Donc, venez nombreux. Je vais vous montrer ma tenue. Qui a été confectionné par un grand styliste. Voilà. Vous voyez mes chaussures? Voilà, c'est comme ça. Donc, je peux le mettre aussi comme ça. Je peux mettre aussi comme ça. La classe, hein? Je peux mettre aussi comme ça. Et envoyez les cœurs, hein? Quand la reine met classe comme ça, mais... Envoyez les cœurs chic. Hein. Pas le bébé, bébé. Pas le gnoc, 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 gnoc. Pas le bébé. Pas le bébé, bébé. Pas le gnoc, gnoc, gnoc. Donc, si j'arrivais hier, en fait, ma tenue, je l'avais été confectionnée par un jeune styliste. Hein. Une jeune styliste qui vit à Paris, qui a confectionné ma tenue, vous voyez. C'est comme ça. Donc, ça se porte comme ça. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Donc, je remercie la jeune styliste qui a confectionné ma tenue qui vit sur Paris. Donc, merci à toi pour cette belle tenue. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à la jeune styliste qui a confectionné ma tenue. Une très, très grande styliste. Qui m'a choisi pour modèle, qui a dit la reine mère, j'aimerais te confectionner une belle tenue. Et comme j'avais pensé à la fête, à la soirée du cancer, je me suis dit, le cancer du sang, vous savez, les signes, c'est le rose. Donc j'avais choisi la couleur rose parce que c'était ma tenue d'hier soir. Mais comme je ne suis pas là à la soirée, bah, j'ai dit, je le porte pour la mairie vu que je n'ai pas pris le pagne. Donc j'avais pris cette petite pochette qui va avec cette petite chaussure. Voilà. Envoyez les cœurs. Voilà, j'ai été coiffée par Maggie, hein. Voilà, qui m'a choisi une coupe. Qui m'a choisi une coupe. Une belle coupe. Hein. Voilà. Donc, merci à Maggie, hein. Ce soir, venez nombreux. Voilà. Venez nombreux à Liège ce soir. Donc, soyez nombreux à Liège. Je vous attends. Envoyez-moi les cœurs. À la dame chic et classe. Faites les captures d'écran. Hein? Comme d'habitude. Voilà. Donc, je voulais... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, un bon mariage à Monsieur Ndema et Madame Ndema, à Moumi Pass et son mari. Un très bon mariage à vous. Un très, 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 très bon mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Moumi Pass, c'est Mamie Hero. C'est qui vend le Hero, qui je faisais toujours la publicité du Hero. Donc, vraiment, merci ma grande. Que le Seigneur te bénisse. J'aurais aimé être là, mais là, je suis vraiment pressée parce que je m'en vais à Liège. C'est un contrat que j'avais déjà signé depuis.
Donc, je ne pouvais pas désister. Voilà quoi, j'aurais aimé être là pour ton mariage, être à la soirée et tout, avec tous les invités. Mais je suis vraiment désolée, vraiment, je suis vraiment, vraiment désolée. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse votre couple. Partagez, non, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Donc, je suis même en retard au mariage, parce que le mariage, c'est à 15h. Je suis tellement en retard que je vais seulement aller au vin d'honneur. Je vais continuer qu'au vin d'honneur et après, ensuite, direction Gare du Nord pour Liège. Venez nombreux, hein? Ah. Donc, envoyez les cœurs. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a... Attendez. Je mets quand même une chanson de bénédiction. Pour ce mariage, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez. Ouais, quand tu es chic, tu es chic. Quand tu es classe. Oui, même avec ça. Je sais me mettre en valeur. Je connais mon corps. Oui. Pas le BEP, pas l'Ombrakata, la future femme d'un ministre. Je suis la future épouse d'un ministre. C'est pas les won won won. Pas les pet-pet que j'entends souvent là. Appréciez ma tenue, non? Merci. Bon, ça fait quand même. Est-ce que. Je vais quand même perdre du poids, je le sais, mais quand même, je ne vais pas trop maigrir parce que je suis quand même une ma foi. Une reine mère ne doit pas être maigrichonne. Tu es jolie, merci Moma d'Angers. Non, tu as du style. Voilà quelqu'un qui dit que propre, madame, jolie. Enlève le collier. Non, j'ai pas de collier. C'est. Écoutez, regardez. C'est en fait, c'est là, la tenue. C'est pas le collier, non. C'est un modèle, regardez. C'est pas le collier, non. Donc, il y a quelqu'un qui dit, ma faute, tu es la patate. Bon, rendez-vous avec Grâce Deka en Suisse le 10 février. Ta robe, c'est la magie. Merci, c'est une jeune styliste, hein. Le cou la rend vieille, non. C'est le modèle, tu es magnifique. Vous aimez trop critiquer. Il y a toujours les gens qui vont critiquer, c'est normal. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu as une belle tenue. N'oubliez pas de cotiser, Japakamdem. Japakamdem, je voulais te dire merci infiniment pour ce que tu fais pour la reine mère. Merci infiniment. Pardon, laissez ma pochette. Pardon, est-ce que je peux vous dire un peu combien ça a coûté ma tenue? Ma chaussure, je vais vous donner. Donc, on commence. Je vais d'abord détailler pour vous dire que on peut s'habiller bien sans mettre des milliards. Je commence par ma tenue. Je commence par mes cheveux. Trois paquets de brésiliens. Donc, mes cheveux, déjà à la base, on m'a offert. Mais c'est trois paquets de mèches brésiliennes, les vrais. Ou c'est les indiens ou les vrais, vrais. Donc, c'est trois paquets, plus la main-d'œuvre, on pourrait dire. Un paquet, c'est 80 euros. Donc, on peut dire que la tête, c'est déjà dans les 400 euros, non? Parce qu'on coiffe à combien? À 50 euros, non? Coiffure, 50 euros. Comment ça, on calcule? Calculons combien la reine m'a habillée, maman. Oh. Donc, coiffure, trois paquets de mèches, 80, 80 fois 3. Plus 50 euros la main-d'œuvre, ça fait combien? 80 fois 3. C'est vous qui êtes à l'école. Ça fait 80 fois 3, 80 fois 2 fois 160, ça fait 230 ou 220. Plus la main-d'œuvre, on va dire que 300 euros ma tête. 300 euros ma tête. Hein? On descend, non? Mes boucles d'oreilles, non name. Mes boucles d'oreilles, c'est les cerceaux, hein? Non name. C'est 21 euros, les boucles d'oreilles. Ma montre, c'est. On m'a offert, hein. C'est une montre Michael Kors. Voilà, une montre Michael Kors. Je ne sais pas combien elle coûte, c'est un cadeau.
Ma bague, c'est 5 euros. 5 euros ma bague. Ma ceinture, c'est une ceinture qu'on trouve partout. J'ai acheté aux États-Unis. J'avais acheté aux États-Unis. Ma ceinture, elle a coûté 10 dollars. Donc, ceinture, 10 dollars. On commence à monter plus cher là. On commence à monter plus cher. Hein? Ça commence à monter plus cher. Hein? Ceinture à 5, à 10 dollars. On descend, on continue. On commence à entrer dans le cher. On commence à monter où ça coûte cher. Ma pochette. Non, 35 euros. Ma pochette, 35 euros, non. Sans nom, hein. 35 euros. Ça commence à être cher, là. Ça commence à monter, hein. Ah oui, ça commence à monter, hein. Ça commence à coûter cher, là. On n'habille pas. Ça commence à être cher. Pochette, 35 euros. Ça fait combien? Ça commence à monter, hein. La reine, mais. Ça commence à coûter cher. Pochette, 35 euros, non, nim. Sans nom. Ça monte. Ça monte. Bracelet. Bracelet, on m'a offert au Canada. Je pense qu'elle est de quel pays? Elle doit être malienne. Elle m'a offert au Canada. C'est un cadeau. Bon, je connais pas le prix. Hein. Maintenant, aïe, maman, ça commence à coûter cher. Ça commence à être cher. Mes ongles. Les ongles. 35 euros. Offert par une fan. Mettez les prix. Ça ne joue plus. Ah. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Ça commence à coûter cher là. Ça commence à coûter cher. 35 euros. Offert par une fan. La même couleur. D'accord? Bon. Maintenant, on descend sur la chaussure. Maintenant, c'est la chaussure. Hey, Mama Sarah. On descend sur la chaussure. Maintenant, on descend sur la chaussure. C'est là où le prix commence à monter. Hey. Tout, 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 maman. La chaussure. Je vais vous montrer parce que là, si je vous montre pas, c'est pas bon. Je vais vous détailler. C'est pas l'ombrakata. La chaussure. Regardez. Nonim, 90 euros. C'est pas le bouton, hein. Mais ça me fait pas mal aux pieds, hein. 90 euros. Hey! Que ça monte. Tu vas pas me dire que ça n'est pas cher, 90 euros. Hein? 90 euros la chaussure. Hein? Ça commence à coûter cher. Hein? Maintenant. Hein? Bon, calculez vous-même. Une tenue comme ça. Cousue. Parce qu'elle a acheté le tissu. D'accord? Ma tenue, 550 euros. Je suis habillée à combien là, s'il vous plaît? Calculez, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et mon parfum, oh là là! Mon parfum, c'est un parfum offert par une milliardaire. Ma tenue, 550 euros. Lui, tu peux mettre comme tu veux. Comme ça. Comme ça. Tu peux faire comme tu veux. Comme ça. Tu vois? Tu le places comme tu veux. Comme ça. Voilà. Eh oui. Mais moi, je préfère comme ça. C'est simple. Joli. Classe. Chic. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ça fait combien? Vous avez calculé? Oh, maman.
Bon, vraiment, je suis désolée, mais vous savez que je ne peux pas me multiplier en fait. Je ne peux pas être partout en même temps. Je suis désolée pour le mariage de ma copine. Vous savez pourquoi j'ai fait la vidéo même? C'est parce que je me suis rendu compte que j'étais très en retard. Je suis. Le mariage, c'est à Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine. Et moi, je suis où? Je suis dans le 95. Donc ça ne peut pas se faire. Je suis en retard. Je peux pas. Je vais reporter ma tenue pour une autre occasion. Je dois être à la gare du Nord bientôt là. Parce que mon train, c'est à 17h pour Bruxelles, pour Liège. Et je peux pas. Donc du coup, je suis obligée de partir. J'ai raté le mariage, oui. J'ai pas le choix. Voilà, donc du coup, je vais me déshabiller, hein. Donc du coup, je vais me déshabiller parce que c'est pas possible, je peux pas. Sinon, je vais rater mon train. Donc, pour s'habiller bien, voilà, c'est pas forcément des milliards, vous voyez. Est-ce que je suis pas simple et chic, hein? Donc, ma tenue, je vais reporter pour une autre occasion. Je suis obligée d'enlever parce que ce soir, j'ai une soirée. Je m'habille pas pareil, quoi. Je vais changer de tenue. Je vais reporter une autre fois cette tenue parce que je suis pas encore sortie avec. Vous m'aviez seulement vu la vidéo, mais j'étais en train de sortir. Mais on m'a appelé pour dire que c'est trop tard. Je ne peux pas être dans la soirée. Je ne pourrais pas. Donc, du coup, je suis obligée de. N'oubliez pas, ce soir, Sergio Polo sera en direct, hein, sur sa page officielle. Le roi Polo, il sera en direct à partir de 19h, hein, pour présenter son nouvel album. Je pense que c'est 18h, hein, pour présenter son nouvel album Fleurs et Vénus, Sergio Polo. Si vous voulez, je vous mets une petite chanson. Vous verrez. Merci à Maggie, qui a son salon de coiffure, qui m'a offert cette coiffure avec le Runa à l'appui. Donc, merci beaucoup à Maggie qui se trouve à Argenteuil. Donc, moi, je suis où aussi là? Je suis dans le 95. Et le mariage, c'est dur. Je peux pas être à l'heure. Donc, je vais manger. Je vais me déshabiller. Je vais m'habiller. Je prends mon train pour partir, quoi. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse beaucoup auprès de ma soeur Mommy Pass. C'est pour ça que je suis pas sortie hier. Parce que je me suis dit, si je sortais hier soir, j'allais être fatiguée pour le mariage. En plus, il faut continuer à Liège. Franchement, c'est pas évident, quoi. Donc, du coup, je mets cette chanson quand même, hein, pour vous dire toujours, il faut toujours prier le Seigneur. C'est une chanson que j'aime. Tac, tac, tac. Coucou, salut! Voilà. Bonjour. C'est la reine d'hiver. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Départ pour le mariage. Donc le mariage de Moumi passe. Appréciez ma tenue, hein. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà, donc je voulais m'excuser pour la soirée d'hier. Si je suis pas là la soirée d'hier, c'est tout simplement parce que comme j'avais un mariage aujourd'hui et ensuite je dois être à Liège. Donc, je ne peux pas me diviser, je ne peux pas me multiplier. Voilà quoi. C'est pour ça que je ne suis pas là à la soirée d'hier soir pour le cancer. Mais j'ai vu que ça s'est très bien passé. Donc là, je suis en train d'aller au mariage de Mommy Pass. J'ai ma valise avec moi. Après, je continue directement à Liège parce qu'aujourd'hui, je suis à Liège chez Lionel Tapa. À Liège. Donc, venez nombreux.
Je vais vous montrer ma tenue qui a été confectionnée par un grand styliste. Voilà. Vous voyez mes chaussures? Voilà, c'est comme ça. Donc, je peux le mettre aussi comme ça. Je peux mettre aussi comme ça. La classe, hein? Je peux mettre aussi comme ça. Et envoyez les cœurs, hein? Quand la reine met classe comme ça, mais envoyez les cœurs chic, hein? Pas le bébé, bébé, pas le gnoc, 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 gnoc. Pas le bébé. Pas le bébé, bébé, pas le gnoc, gnoc, gnoc. Donc, si j'arrivais hier, en fait, ma tenue, je l'avais, elle était confectionnée par un jeune styliste, hein? Une jeune styliste qui vit à Paris, qui a confectionné ma tenue, vous voyez? C'est comme ça. Donc, ça se porte comme ça. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Donc, je remercie la jeune styliste qui a confectionné ma tenue, qui vit sur Paris. Donc, merci à toi pour cette belle tenue. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à la jeune styliste qui a confectionné ma tenue. Une très, très grande styliste. Qui m'a choisi pour modèle, qui a dit la reine mère, j'aimerais te confectionner une belle tenue. Et comme j'avais pensé à la fête, à la soirée du cancer, je me suis dit, le cancer du sang, vous savez, les signes, c'est le rose. Donc j'avais choisi la couleur rose parce que c'était ma tenue d'hier soir. Mais comme je suis pas là à la soirée, bah, j'ai dit, je le porte pour la mairie vu que je n'ai pas pris le pagne. Donc j'avais pris cette petite pochette qui va avec ces petites chaussures. Voilà. Envoyez les cœurs. Voilà, j'ai été coiffée par Maggie, hein. Voilà, qui m'a choisi une coupe. Qui m'a choisi une coupe. Une belle coupe. Hein? Voilà. Donc, merci à Maggie, hein. Ce soir, venez nombreux. Voilà. Venez nombreux à Liège ce soir. Donc, soyez nombreux à Liège. Je vous attends. Envoyez-moi les cœurs. À la dame chic et classe. Faites les captures d'écran. Hein? Comme d'habitude. Voilà. Donc, je voulais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, un bon mariage à Monsieur Ndema et Madame Ndema, à Momi Passe et son mari. Un très bon mariage à vous. Un très 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 bon mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Momi Passe, c'est Mamie Héros. C'est qui vend le héros, qui je faisais toujours la publicité du héros. Donc, vraiment, merci ma grande. Que le Seigneur te bénisse. J'aurais aimé être là, mais là, je suis vraiment pressée parce que je m'en vais à Liège. C'est un contrat que j'avais déjà signé depuis. Donc, je ne pouvais pas désister. Voilà quoi, j'aurais aimé être là pour ton mariage, être à la soirée et tout, avec tous les invités. Mais je suis vraiment désolée, vraiment, je suis vraiment, vraiment désolée. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse votre couple. Partagez, non, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Donc, je suis même en retard au mariage, parce que le mariage, c'est à 15h. Je suis tellement en retard que je vais seulement aller au vin d'honneur. Je vais continuer qu'au vin d'honneur et après, ensuite, direction Gare du Nord pour Liège. Venez nombreux, hein? Ha. Donc, envoyez les cœurs. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a. Attendez. Je mets quand même une chanson de bénédiction. Pour ce mariage, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez. Ouais, quand tu es chic, tu es chic. Quand tu es classe, tu es classe. Oui, même avec ça. Je sais me mettre en valeur. Je connais mon corps. Oui. Pas le bep.
Alombra Kata, la future femme d'un ministre. Je suis la future épouse d'un ministre. C'est pas les won won won. Pas les pet pet que j'entends souvent là. Appréciez ma tenue, non? Merci. Bon, ça fait quand même. Est-ce que je vais quand même perdre du poids, hein? Je le sais, mais quand même, je vais pas trop maigrir parce que je suis quand même une ma foi. Hein? Une reine mère ne doit pas être maigrichonne. Tu es jolie. Merci, Boma Danger. Non, tu as du style. Voilà quelqu'un qui dit que propre, madame, jolie. Enlève le collier. Non, j'ai pas de collier. C'est. Écoutez, regardez. C'est en fait, c'est là. La tenue, c'est pas le collier. Non. C'est un modèle, regardez. C'est pas le collier. Non. Donc, il y a quelqu'un qui dit ma faute, tu es la patate. Bon, rendez-vous avec Grâce Deka en Suisse. Le 10 février. Ta robe, c'est la magie. Merci, c'est une jeune styliste. Hein. Le cou la rend vieille. Non. C'est le modèle. Tu es magnifique. Vous aimez trop critiquer. Il y a toujours les gens qui vont critiquer. C'est normal. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu as une belle tenue. N'oubliez pas de cotiser. Japakamdem, je voulais te dire merci infiniment. Pour ce que tu fais pour la reine mère, merci infiniment. Pardon, laissez ma pochette. Pardon, est-ce que je peux vous dire un peu combien ça a coûté ma tenue? Ma chaussure, je vais vous donner. Donc, on commence. Je vais d'abord détailler pour vous dire que on peut s'habiller bien sans mettre des milliards. Je commence par ma tenue, je commence par mes cheveux. 3 paquets de brésiliens. Dans mes cheveux, déjà à la base, on m'a offert. Mais c'est 3 paquets de mèches brésiliens, les vrais. Ou c'est les indiens, ou les vrais, vrais. Donc, c'est 3 paquets, plus la main d'œuvre, on pourrait dire. Un paquet, c'est 80 euros. Donc, on peut dire que la tête, c'est déjà dans les 400 euros, non? Parce qu'on coiffe à combien? À 50 euros, non? Coiffure, 50 euros. Comment ça, on calcule? Calculons combien la reine m'a habillée, maman. Oh. Donc, coiffure, 3 paquets de mèches, 80 fois 3. Plus 50 euros la main d'œuvre, ça fait combien? 80 fois 3, c'est vous qui êtes à l'école. Ça fait 80 fois 2, 160, ça fait 230 ou 220. Plus la main d'œuvre, on va dire que 300 euros ma tête. 300 euros ma tête, hein? On descend, non? Mes boucles d'oreilles, non name. Mes boucles d'oreilles, c'est les cerceaux, hein, non name. C'est 21 euros, les boucles d'oreilles. Ma montre, c'est... on m'a offert, hein. C'est une montre Michael Kors. Voilà, une montre Michael Kors, je ne sais pas combien elle coûte, c'est un cadeau. Ma bague, c'est 5 euros. 5 euros ma bague. Ma ceinture, c'est une ceinture qu'on trouve partout. J'ai acheté aux États-Unis. J'avais acheté aux États-Unis. Ma ceinture, elle a coûté 10 dollars. Donc, ceinture, 10 dollars. On commence à monter plus cher là. On commence à monter plus cher. Hein? Ça commence à monter plus cher. Hein? Ceinture à 5, à 10 dollars. On descend, on continue. On commence à entrer dans le cher. On commence à monter où ça coûte cher. Ma pochette. Non name. 35 euros. Ma pochette, 35 euros non name. Sans nom, hein. 35 euros. Ça commence à être cher, là. Ça commence à monter, hein. Ah oui, ça commence à monter, hein. Ça commence à coûter cher, là. On n'habille pas. Ça commence à être cher. Pochette, 35 euros. Ça fait combien? Ça commence à monter, hein. La reine, mais... Ça commence à coûter cher. Pochette, 35 euros, non, name. Sans nom. Ça monte. Ça monte.
Bracelet. Bracelet, on m'a offert au Canada. Je pense qu'elle est de quel pays? Elle doit être malienne. Elle m'a offert au Canada. C'est un cadeau. Bon, je connais pas le prix. Hein. Maintenant, aïe, maman. Ça commence à coûter cher. Ça commence à être cher. Mes ongles. Les ongles. 35 euros. Offert par une fan. Mettez les prix. Ça ne joue plus. Ah. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Ça commence à coûter cher là. Ça commence à coûter cher. 35 euros. Offert par une fan. La même couleur. D'accord? Bon. Maintenant, on descend sur la chaussure. Maintenant, c'est la chaussure. Hey, Maman Sarah. On descend sur la chaussure. Maintenant, on descend sur la chaussure. C'est là où le prix commence à monter. Hey. Tout, 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 maman. La chaussure. Je vais vous montrer parce que là, si je ne vous montre pas, ce n'est pas bon. Je vais vous détailler. Ce n'est pas l'ombrakata. La chaussure. Regardez. No name. 90 euros. Ce n'est pas le bouton, hein? Mais ça me fait pas mal aux pieds, hein? 90 euros. Hey! Que ça monte. Tu vas pas me dire que ça n'est pas cher, 90 euros. Hein? 90 euros la chaussure. Hein? Ça commence à coûter cher. Hein? Maintenant. Hein? Bon, calculez vous-même. Une tenue comme ça. Cousue. Parce qu'elle a acheté le tissu. D'accord? Ma tenue, 550 euros. Je suis habillée à combien là, s'il vous plaît? Calculez, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et mon parfum, oh là là. Mon parfum, c'est un parfum offert par une milliardaire. Ma tenue, 550 euros. Lui, tu peux mettre comme tu veux. Comme ça. Comme ça. Tu peux faire comme tu veux. Comme ça. Tu vois? Tu le places comme tu veux. Comme ça. Voilà. Eh oui. Mais moi, je préfère comme ça. C'est simple. Joli. Classe. Chic. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ça fait combien? Vous avez calculé? Oh, maman. Bon, vraiment, je suis désolée, mais vous savez que je ne peux pas me multiplier en fait. Je ne peux pas être partout en même temps. Je suis désolée pour le mariage de ma copine. Vous savez pourquoi j'ai fait la vidéo même? C'est parce que je me suis rendu compte que j'étais très en retard. Le mariage, c'est à Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine. Et moi, je suis où? Je suis dans le 95. Donc ça ne peut pas se faire. Je suis en retard. Je ne peux pas. Je vais reporter ma tenue pour une autre occasion. Je dois être à la gare du Nord. Bientôt là, parce que mon train c'est à 17h pour Bruxelles, pour Liège. Et je peux pas. Donc du coup, je me suis obligée de partir. J'ai raté le mariage, oui. J'ai pas le choix. Voilà, donc du coup, je vais me déshabiller, hein. Donc du coup, je vais me déshabiller parce que... Parce que c'est pas possible, je peux pas. Sinon, je vais rater mon train.
Donc, pour s'habiller bien, voilà, c'est pas forcément des milliards, vous voyez. Est-ce que je suis pas simple et chic, hein? Donc, ma tenue, je vais reporter pour une autre occasion. Je suis obligée d'enlever parce que ce soir, j'ai une soirée. Je m'habille pas pareil, quoi. Je vais changer de tenue. Je vais reporter une autre fois cette tenue parce que je suis pas encore sortie avec. Vous m'aviez seulement vu la vidéo, mais j'étais en train de sortir. Mais on m'a appelé pour dire que c'est trop tard. Je ne peux pas être dans la soirée. Je pourrais pas. Donc, du coup, je suis obligée de. N'oubliez pas, ce soir, Sergio Polo sera en direct, hein, sur sa page officielle. Le roi Polo, il sera en direct à partir de 19h, hein, pour présenter son nouvel album. Je pense que c'est 18h, hein, pour présenter son nouvel album Fleurs et Vénus, Sergio Polo. Si vous voulez, je vous mets une petite chanson. Vous verrez. Merci à Maggie, qui a son salon de coiffure, qui m'a offert cette coiffure avec le runa à l'appui. Donc, merci beaucoup à Maggie qui se trouve à Argenteuil. Donc, moi, je suis où aussi là? Je suis dans le 95. Et le mariage, c'est dur. Je peux pas y a... je peux pas être à l'heure. Donc, je vais manger. Je vais me déshabiller. Je vais m'habiller. Je prends mon train pour partir, quoi. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse beaucoup auprès de ma soeur Mommy Pass. C'est pour ça que je suis pas sortie hier parce que je me suis dit. Si je sortais hier soir, j'allais être fatiguée pour le mariage. En plus, il faut continuer à Liège. Franchement, c'est pas évident, quoi. Donc, du coup, je mets cette chanson quand même, hein, pour vous dire toujours, il faut toujours prier le Seigneur. C'est une chanson que j'aime. Rendez-vous à Liège ce soir, chez Lionel Tapa. Venez nombreux. J'ai des personnes qui m'ont appelé là. Ils seront là. Venez nombreux. Rendez-vous. À Lomé, au Togo, pour le lancement d'un orphelinat, je ne sais pas si c'est un orphelinat, une fondation, le 14, lancement officiel avec le gouvernement, à Lomé, au Togo. Le 14, le lancement officiel. Donc, je serai à Lomé, au Togo. Je partirai de Paris le 12 et je ferai 4 jours. Donc, si j'ai le temps, j'irai avec la délégation, parce qu'on vient en délégation, pour la fête du visa que vous m'aviez demandé là. Bon, ce n'est pas à moi de faire. Quand vous partez dans un pays par délégation, c'est l'ambassade, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc, j'ai juste donné mon nom et le gouvernement va s'en charger du visa, de tout quoi. Donc, si j'ai le temps, nous avons tous vu. Les enfants, comment ils souffrent au Bénin. Donc, la fondation, la délégation, on ira ensemble avec la délégation au Bénin, à Cotonou, pour rencontrer ces enfants-là. Et leur, je sais pas, on va rencontrer ces enfants-là suite au reportage que nous avions vu tous sur la télévision française. Donc, j'ai décidé, j'ai donné l'idée à la délégation de faire un tour au Togo, au Bénin. À Cotonou pour voir un peu comment ça se passe, comment on peut venir en aide à ces enfants-là. Donc, si j'ai le temps, je serai à Cotonou. Sinon, attends. Ah, je crois que c'est les gens qui viennent. Oui, pétrolier. C'est comment? Allô? Ah, ce sont les gens de Belgique qui m'appellent déjà. C'est pour se rassurer que je ne rate pas mon train. Je pense que oui, je vais arriver. Donc, je serai à Cotonou, au Bénin, avec la délégation pour rencontrer ces enfants-là. Vous voyez les enfants qu'on essaye de vendre, je sais pas, ou de mettre en location. Donc, j'irai avec la délégation, on va rencontrer ces enfants-là et voir un peu ce qu'il faut faire. Voilà, donc ça sera à Cotonou. Donc, on sera à Cotonou le 15. Parce que le lancement officiel, c'est de l'orphelinat, de la fondation, c'est à Lomé au Togo le 15, avec le gouvernement, les membres du gouvernement et tout. Et ensuite, le 15, j'irai à Cotonou. Et le 16, je reviens sur Paris. Voilà, donc je vais rester 4 jours. 4 jours. Oui, allô? Oui,
Oui, ça va, pétrolier. Oh, il y a quoi? Je suis en direct. Non, je suis en train d'arriver en Belgique, là, oui. Je suis en direct, oui, j'arrive là. Oui. Tu es déjà à Bruxelles. Ouais, je vais être à Liège là. Je vais prendre mon train. J'ai mon train à la gare de. Parce qu'en fait, je lui avais dit de me prendre plutôt un train au départ de Paris parce que je devais être à un mariage. Mais vu que j'ai raté le mariage et tout, donc je me dirige à la gare là. Oui. Il y a quoi à Bruxelles? Oui. Ah, son mariage, oui. Ah, le footballeur là. Oui, il m'avait dit de venir en Chine, oui. Ah, tu avais lui, passe-le-moi. Oh, attends un peu. Maman, c'est le pro, hein. Hey, maman, attendez. Oui. Ouais, mon pro. Le futur marié. Ça va, mon chéri? Yembo. Dis-la. Nkelonge ga. Ebi kamele mwa, ou abi kamele mbi ga, mbi nyombay. Men, ton men nyombay ga, mbi keki. Ah, men, je serai la yon be musicien. La be yon sejo polo e. Nyon je. Men kare yon bel katobi. Gwenje. Gandake, ok. Bon, mais l'oignon Bruxelles. Il l'avait l'on liège, l'aîné. L'on Wana Djonga. Pétrolier. Oh, Nganke Mbengan. Oh, oui, mais l'on Ganga, l'on liège. Viens avec lui, non, il t'amène. Hé, hey, maman, je parle avec footballeur professionnel. Oh, Dieu du ciel. Maman, un footballeur qui m'a invité en Chine. Oh, maman, le seul Camerounais qui est. Ouh! Ouais, le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrivé. Oh, maman. Parle, Mbrakata. Un vrai footballeur me parle. À tout à l'heure. Choisis l'artiste que je veux. Ouh, maman, maman, il a le brassard. Capitaine. Pas le bébé. Maman, je me mélange pour la saleté. Je parle avec les professionnels. Hein? Hey! Jusqu'on me donne la responsabilité que tu prends les artistes que tu veux. Maman, moi, je vais commencer à chanter. Hey! Maman, je vais chanter. Ce n'est pas l'ombrakata. Ce n'est pas l'ombrakata. Pardon, faites-moi, je commence à faire la musique parce qu'on me demande les artistes. Moi, mais ce n'est pas. Maman, je vais prendre mon micro. Ce n'est pas l'ombrakata. Ce n'est pas le gnon-gnon. Ce n'est pas le vrac. Oui, ce n'est pas le vrac-vrac. Ce n'est pas l'ombrakata. Ce n'est pas le shintok-shintok. Ce n'est pas. Maman, je vais chanter. Ce n'est pas l'ombrakata. Ce n'est pas le bébé-bébé. Ce n'est pas le ngon-ngon. Vous les artistes camerounais, vous êtes mauvais. C'est que quelqu'un allait me composer aussi même une chanson, pour qu'elle gagne l'argent ici dehors avec. Je parle au footballeur, maman, même ce que vous n'imaginez pas. Je parle avec les pros. Je ne parle plus avec les gens qui jouent la santé du dimanche, là, avec les gros ventres comme ça. Maman, je parle maintenant avec ceux qui sont actifs. Je ne parle pas avec les footballeurs en retraite. Je ne parle pas avec les footballeurs retraités. Je cause avec ceux qui sont encore en action. Ouais. Maman, je pensais qu'on salissait mon image sur Facebook. Maman, pendant que vous me salissez, il y a ceux qui me connaissent, qui disent que cette fille, c'est quelqu'un de bien. Fleur de lys. Donc, hein, l'ombrakata ne quitterait jamais Facebook. Parce que, maman, même le pays que je parle là, c'est un ministre qui a vu mes vidéos. Ministre, hein? Pour vous dire, même la première dame me regarde.
Je salue Etoudi. Je suis une vraie fille. Laissez-moi le petit sabotage qu'on m'insulte là. Maman, il y a les gens qui m'apprécient de vrai. Merci à mes faux profils. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Merci à tous ceux qui ont toujours cru en moi. Je vous aime. Bisous. Maman, il m'en va à la gare. Hé, hey, maman. Bisous.